Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Réveil du Lion sur Football Manager 2019, je crois. Ouais, 2019, c'est bien ça. Ouais, on se trompe pas. Une série dans laquelle on joue toujours l'Olympique Lyonnais et dans laquelle on se prépare à aller affronter l'OM. Mais avant ça, on a fait quelques matchs entre les deux derniers épisodes, enfin depuis le dernier épisode. Et puis, parmi ces matchs, on a eu un déplacement à Saint-Étienne dans le derby du Rhône et la réception de Monaco, ainsi qu'un tirage du fameux quatrième tour de Coupe de la Ligue. Je vous laisse donc avec tout ça en paquet highlight et je vous dis à toutes. C'est parti pour ce derby à l'extérieur contre Saint-Étienne. Piaka qui avance, qui joue avec Fekir pour Traoré. Traoré, Aouar. Aouar qui rejoue avec Traoré. Bertrand Traoré qui voit Touzard. Fekir qui joue avec Alberto Moreno sur le côté gauche. Moreno qui peut centrer pour la tête de Nabil Fekir qui ouvre la marque à la 7ème minute. 1-0 pour l'OL à Saint-Étienne. Alberto. C'est une tête stéphanoise qui peut dégager le ballon. De Plagne qui joue au centre. Cazeri qui joue avec Augustin directement. Marcelo qui s'interpose. Mais les joueurs de Saint-Etienne qui peuvent récupérer Augustin. Augustin qui passe. Marcelo qui peut dégager. Coup franc de Cazeri. C'est pour la tête de Barreto. Piaka qui peut dégager. Mais Augustin qui récupère. Augustin qui centre. Qui tire directement. Pardon. Et bel arrêt de Pollersbeck. Cabella au coup franc, Cabella, c'est pour Barreto qui égalise mais qui est hors jeu, toujours 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Piaka qui perd le ballon sur Cabella. Cabella qui lance Golizade qui joue avec De Plagne. Cabella pour Barreto qui joue, c'est Golizade qui récupère, qui tire superbe et qui égalise. Superbe but de Golizade, 1-1. Tété à la touche pour Fekir. Fekir toujours, qui joue avec Touzard pour Ndombele. Touzard, Fekir qui se met sur son pied gauche, qui tire, mais c'est dévié par Ruffier. Wagnoman pour Fischer. Fischer qui joue avec Ndombele au centre. Ndombele qui tente de lancer Dembélé, mais ça ne passe pas. Récupération des joueurs de Saint-Etienne, mais Ndombele qui peut récupérer, qui tente de jouer avec Traoré, ça passe pas non plus. Augustin pour Saint-Etienne, qui joue avec Barreto qui lance Beric qui n'est pas hors jeu tout seul. Beric qui tire au-dessus de la transversale. Marcelo qui joue le ballon, mais ce sera terminé ici à Geoffroy Guichard, 1-1 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Et c'est parti pour ce match de championnat à la maison contre Monaco. Récupération d'Alberto qui change de côté pour Traoré. Traoré qui se met sur son pied gauche, Traoré qui se met sur son pied gauche, il tire, mais Soulazic qui peut dédier en corner. Jovetic qui fait faute, qui a déjà un carton jaune. Jovetic qui est appelé par l'arbitre et qui prend un deuxième jaune, c'est une expulsion pour Jovetic. Soulazic qui dégage aux 5 mètres. Smalling pour Touzard qui change de côté pour Bertrand Traoré. Traoré qui tente de lancer Dembélé dans la profondeur, mais ça ne passe pas. Traoré qui va sur le côté, qui peut jouer avec Wagnoman, retour à Traoré, Aouar qui tire, c'est juste à côté. Et ça a été dévié en corner par les joueurs de l'AS Monaco. Corner que va attirer Fekir pour la tête de Traoré au deuxième poteau, mais c'est détourné par la défense. Piaka qui joue avec Touzard qui peut passer, Touzard qui rejoint l'arrière, Smalling, Aouar pour Fekir pour Piaka qui tire la transversale. Moreno pour Fekir, mais c'est récupéré par la défense monégasque. Lopez qui peut dégager, mais Aouar qui récupère au milieu du terrain sans trop de problèmes. Aouar qui joue avec Wagnoman qui joue avec Touzard au centre. Touzard qui écarte sur Piaka qui remet la tête pour Traoré qui met la tête, puis qui tire et qui marque le 1-0 pour l'Olympique Lyonnais à la 29e minute. Touche de Wagnoman pour Fekir. Fekir qui peut jouer avec Alberto Moreno de l'autre côté. Moreno qui sample la tête de Traoré qui met juste au-dessus. Corner de Fekir. Babou qui peut dégager. Récupération Moreno. Moreno pour Touzard. Touzard qui joue avec Aouar. C'est bien joué. Aouar qui a du champ. Aouar qui tire. Subasic qui s'interpose. Touche. Les joueurs monégasques. Récupération de Lyon. Aouar qui a de la place. Qui tire et qui marque le deuxième à la 44e minute.
corner de Fekir, ça revient sur Piaka. Piaka pour Fekir. Fekir qui revient dans l'axe, qui joue avec Awar, qui tire Touzard ensuite. Subasic qui peut détourner en corner. Coup franc de Nabil Fekir pour la tête de Fagnoman au deuxième poteau. C'est dégagé par les Monégasques. Fagnoman qui récupère, qui rejoue avec Fekir sur le côté. Fekir qui se recentre, qui fait une passe à Fischer. Et Fischer qui tire juste à côté. Zobnin pour Maier. Maier qui écarte sur Fischer. Fischer qui peut centrer pour Maier qui tire. Et Subasic qui s'interpose encore une fois. Tielemans pour Mbabou. Retour à Tielemans. Rafinha pour Olmo. Olmo qui perd le ballon. Récupération, le gros Maier. Maier qui dégage. Schindler qui peut le récupérer pour Monaco. Heinrich qui lance Dani Olmo. Dani Olmo qui marque mais qui était hors jeu. On en reste à 2-0 pour un Lucanais. Dembélé qui détourne la tête pour Subasic. Subasic qui va prendre le ballon des mains, qui va laisser un petit peu de temps passer et qui dégage. Et l'arbitre qui siffle la fin du match ici à Lyon. L'Olympique Lyonnais s'impose 2-0 contre l'AS Monaco. Et c'est parti pour ce tirage au sort du 4e tour, donc 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux jouera la JOCR à la maison. Nantes rencontrera l'AS Monaco. Nîmes recevra Paris. Dijon FCO jouera contre l'OL. On jouera à Dijon pour ce 8e de finale de Coupe de la Ligue. Caen jouera contre l'OSC. Saint-Etienne recevra Nice. Le FC Lorient jouera contre l'OM à la maison. Et Rennes recevra Toulouse. Voilà, les gens, comme vous voyez, ça s'est, j'allais dire, très très bien passé, mais pas très très bien passé, mais ça s'est bien passé. Hein, malheureux match nul un peu contre Saint-Etienne. Je ne sais pas comment c'est ressorti dans les highlights. On va regarder un petit peu, je vais vous donner un peu 2-3 précisions sur le match. Donc on s'était arrêté à notre défaite contre Paris, et vous voyez qu'après, bon, j'ai eu un peu peur, puisqu'on a eu ce match nul, mais après on a déroulé alors complètement dans toutes les compètes qu'on a jouées. On a pris un but contre le Lokomotiv Moscou après le match de Saint-Etienne, et puis après on a écrasé vraiment tout ce qui venait vers nous, particulièrement le dernier match, comme vous voyez, 7-0 contre Nîmes Olympique, dont je viens de faire la vidéo sur la série, entre guillemets, hein, la série de présentation des clubs. Je viens de l'enregistrer, hein, elle n'est évidemment pas encore sortie, a priori, non, elle n'est pas encore sortie, elle sortira dans demain. Peut-être un jour de décalage, je ne sais pas exactement. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça s'est pas très très bien passé pour eux. Pour nous, donc, le match contre Saint-Etienne, si on regarde vraiment ça, on se dit, oh là là, gros FM, hein, leur égalisation qui vient quand même d'une action individuelle, comme vous l'avez vu. Au final, non, en fait, parce qu'on n'a pas eu de casse franche. Eux, oui, donc... Dominer, tirer, c'est bien, mais au final, c'est comme quand on joue contre Paris, que les stats sont complètement à l'inverse et qu'on finit devant. Donc, j'étais pas super confiant, j'étais pas super... Enfin, ce match-là m'a fait peur, honnêtement. Je pense pas que ça se voit trop sur le paquet highlight, mais ce match-là m'a fait peur. Surtout au sortir d'une défaite contre un rival, je me dis, oulala, on n'arrive pas à battre Saint-Etienne, on fait vraiment un match... pas bon, quoi. On aurait pu perdre, sincèrement, j'ai un petit peu peur, puis on s'est un peu ressaisi contre le Lokomotiv Moscou, je dis un peu, parce qu'on gagne 3-1, on met 3 buts en première mi-temps, ça allait, on s'est créé, je dirais, les occasions passablement après, me semble-t-il, donc franchement, ça allait, mais ça aurait pu être plus sévère, honnêtement. Et puis, bon, le match contre Monaco... Tout s'est passé là, en fait. Dès le moment où Jovetic a été expulsé, ça a été... J'ai pas vu vraiment ce qui s'était passé. Il a pris effectivement deux jaunes, l'un derrière l'autre. Le deuxième, celui que j'ai vraiment vu, celui que je vous ai mis, a priori, dans le paquet highlight, me paraissait pas forcément mérité pour un deuxième carton jaune. Enfin, bref, c'est difficile de dire. De toute façon, sur le moteur FM, ça veut pas dire grand-chose. Mais après ça, ça a été... Enfin, voilà, il y avait plus qu'une équipe. Ils ont rien pu faire, mais rien. J'entends, c'était vraiment... extrêmement violent, deux occasions franches à zéro, deux demi-occasions à une. On aurait même dû franchement gagner plus que 2-0. Mais bon, on va se plaindre, on gagne 2-0 contre Monaco, qui est un concurrent, qui était, on va dire ça comme ça, plutôt un concurrent direct au titre de champion.
Maintenant, a priori, il n'y a plus vraiment qu'un seul concurrent direct au titre de champion, comme vous pouvez imaginer, comme vous avez peut-être vu, hein, d'ailleurs, on est premier pour le moment, on reviendra là-dessus après. Ensuite, on a joué Nantes, qui n'est jamais une équipe facile à jouer, on l'a vu de nouveau, peu de tirs cadrés, mais au final, ceux qu'on a cadrés ont bien, bien, bien suffi. On n'a pas eu tant d'occasions plus qu'eux, hein. C'est vraiment pas facile de jouer Nantes, mais voilà quoi, quand même, on finit par un solide 3-0, on va dire ça comme ça. Et puis le match, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. On a complètement fait déjouer Copenhague avec qu'une équipe sur le terrain. C'était invraisemblable. Mais regardez ça. Trois occasions franches, sept demi-occasions. J'ai rarement vu ça, franchement. 17 corners à deux. C'était une bêtise, mais on n'arrivait pas à marquer, on n'arrivait pas à marquer. Et puis si vous regardez, vous remarquez qu'on marque à la 58e minute le premier but. Après, bon, ça a déroulé, ok, nickel, easy. Mais 58 minutes avant de pouvoir marquer, mais je devenais dingue, dingue, dingue. Puis c'est là où, quand on joue les matchs, comme c'est le cas, comme c'était le cas, j'essaie d'éviter un petit peu parce que c'est un petit peu long cette saison si je joue tout le temps comme ça, mais j'essaie de jouer les matchs pas en match complet, mais en long résumé. Et c'est hyper relou dans ce genre de situation où on a occasion sur occasion, qu'on tape trois fois les poteaux, que le gardien fait le match de sa vie. Bon, 6,4, c'est vraiment dégueulasse, je trouve, parce que vraiment, il a sorti un gros match, il a sorti plein de trucs. C'est vraiment le moment où on se dit, mais je vais pas réussir à les battre. Et puis, ça a de l'importance, hein, ça a de l'importance, puisque ben, on le verra, on a un match contre Arsenal, et en gros, avant ce match-là, on avait 3 points d'avance sur Arsenal. Si on faisait match nul, Arsenal revenait, et donc du coup, c'était que ça devenait compliqué pour nous, si on veut bien, de nous en sortir à l'Emirates, donc dans le prochain match qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. Mais comme ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont fait match nul même, donc nous, on a gagné, et eux ont fait match nul à Moscou, et du coup, peu importe ce qui se passe à l'Emirates, on est qualifié comme premier de groupe, et ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Puisque si on regarde tous les groupes, à moins du méga backstab, vous le voyez comme moi, je pense que c'est le premier truc qui vous saute sur les yeux. Oui, l'Inter est qualifié comme numéro 1, donc le Barça est qualifié comme numéro 2. Donc ça, c'est le backstab. Là, ça va. Là, c'est franchement Benfica, Fiorentina, Hanovre, Naples, vis-à-vis du Real, on va dire. Naples, c'est pas simple. Hein. Shakhtar, Arsenal, c'est pas possible. Ou l'Atlético Madrid. Il y a un autre backstab possible, c'est celui-là. Évidemment, ça, c'est peut-être le pire backstab. Si Paris passe deuxième et qu'on tire Paris, ça va me gonfler énormément. Celui-là, c'est aussi un joli backstab. Mais en gros, à part 1, 2, 3 équipes, les 4 autres qu'on peut tirer sont vraiment à notre portée en huitième de finale. Donc, ce serait quand même bien de finir premier. Et puis Paris, c'est pas encore sûr. Alors, il faudrait regarder juste. Où ils ont sens, si on prend pas tous les groupes, mais juste le groupe D. Qu'est-ce qu'ils jouent comme match? Ils reçoivent Liverpool, donc c'est pas gagné. Si Hanover, honnêtement, bat. Parce que Hanover se qualifie, vous voyez qu'ils ont une moins bonne différence de but, donc ils se qualifieraient sur les résultats qu'ils ont contre Paris en fait. Ouais, ils ont fait match nul et ils ont gagné. Donc, a priori, s'ils restent au même nombre de points, donc s'il y a un match nul ici, match nul là, ou si même Paris gagne, mais si Hanover gagne, c'est Hanover qui passe. Donc, au final, il y a quand même pas mal de chances que Paris passe pas. On va dire ça comme ça. Disons, je serais sur 50-50. Hein, c'est pas, il reste pas un match Paris-Hanover. Donc, ça devrait, ça peut vraiment être une mauvaise chose pour eux. Et du coup, une excellente chose pour nous si on peut les éviter. Et donc, ça ferait 2 gros matchs compliqués et 5 gros matchs, pas simples évidemment, mais vraiment, vraiment faisables pour nous. Donc, c'est important de finir premier. C'était important de finir premier. Et là, on sera vraiment tranquille pour le match contre Arsenal. On pourra même faire un petit peu tourner. On va éviter de prendre une cascade, cela dit, mais on pourra quand même faire un petit peu tourner. Ensuite, on a joué contre Valenciennes, un match qui n'était pas simplissime, honnêtement. Ouais, enfin, c'était tranquille, c'était à l'extérieur, ils ont quand même pas trop trop mal joué, mais c'était une victoire simple. Et puis Nîmes à la maison, voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est même pas le match où on a forcément eu le plus d'occases, mais au moins on les a marqués cette fois-ci, et ça fait plaisir. Un hat-trick de Moise Kean, un super match. 2 buts de Marco Piaka, qui là aussi hein, est en super forme. Et puis on a, en plus j'avais fait un petit peu tourner, hein, vu qu'on avait le match contre Marseille après. Donc c'est pas, comme vous voyez, hein, un hat-trick de Moise Kean, pas de Dembélé. Piaka qui jouait, alors on va revenir là-dessus, je crois.
Oui, en 6, on faisait tourner avec Marco Piaka, entre guillemets. Et vous voyez que Piaka jouait à droite et que Fischer jouait à gauche. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Si on regarde les occasions franches, vous voyez qu'on a... Bon, ils ont eu leurs occasions. Hein. 7-0, c'est vraiment, vraiment, vraiment fat, quoi. Briançon fait un match, mais alors catastrophique, 4,4, j'ai rarement vu ça. Enfin, j'ai rarement vu ça. Je pense que j'ai souvent vu ça, mais j'ai rarement fait gaffe. Plutôt, on s'en est plutôt très très bien sorti. Hein. Surtout que j'ai eu vraiment peur que ce soit ça puis ça. Je me suis dit, oulala, là là là, c'est mal parti. Il faut. Puis en plus, après, on recevait Monaco en championnat. Hein, donc, si on faisait un mauvais résultat là, je me disais, oulala, là 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 là. Puis après, ça peut vite partir. Nantes, c'est pas simple. Après, on joue à l'extérieur, donc ça aurait pu être un mauvais run pour nous, et ça n'a pas du tout été le cas. Ce qui fait que Paris a réussi à perdre un match et qu'on a, du coup, entre autres, hein, grâce à notre différence de but, grâce entre autres au match contre Nîmes, on se retrouve à 41 points, égalité avec le PSG. Ok, donc voilà pour ce qui était des matchs qu'on a fait entre-temps. Encore une autre petite chose dont on peut parler. Premièrement, et ça c'est assez intéressant, si on va dans, c'est quoi, boîte de réception, non, page d'accueil. On va dans la page d'accueil. Regardez notre meilleur buteur, notre meilleure note moyenne, Moise Kean, le joueur près de la Juve, c'est vraiment random. Mais bon, ça reste un bon joueur, hein. Vous voyez que maintenant il est considéré comme 3 étoiles. Il n'est pas au niveau de Dembélé, de loin pas, mais bon, il est quand même pas dégueu du tout. On le joue généralement là, mais des fois on le joue ici aussi. En soutien de Dembélé, en gros, hein, c'est un petit peu l'idée. Donc il devient très très bon. Alors bon, on verra, peut-être l'achètera-t-on, j'en doute, hein, puisque il était là quand même pour pallier à l'absence de Gouiri, enfin pas à l'absence, mais au fait que Gouiri n'est pas encore au niveau. Son objectif, c'était vraiment, et c'est toujours le cas, de permettre à Dembélé de se reposer. Ce sera toujours le cas, malgré le fait. Enfin, oui et non, en fait. C'est vrai que s'il continue comme ça, ça va être assez tranquille. On pourra peut-être le faire jouer un peu plus, pourquoi pas. Mais bon, il faut bien se rendre compte qu'il joue aussi les matchs plus simples, du coup, hein, pour ceux qui permettent à Dembélé de se reposer. Donc, typiquement contre Nîmes Olympique, il ne jouera pas contre Marseille, par exemple. Donc ça, c'était une bonne chose. Ensuite, je vous ai parlé du fait que je suis allé chercher, que je l'ai emprunté. Mais par contre, j'avais Pellegrini. C'est lequel? Lorenzo Pellegrini, c'est ça? Non. Le mec de... Je ne sais même plus son nom maintenant. C'est un attaquant de pointe. C'est pas lui, non, de loin pas. Pietro Pellegrini, je pense, du coup. Voilà, qui est prêté par l'AS Monaco, hein, qui est prêté à Mayence. C'est lui que je voulais à la base avoir. Hein, c'est lui que je vous avais posé la question, devrais-je, à votre avis, le prendre ou pas? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, ils y ont répondu pour moi, c'est que Monaco ne pouvait pas prêter. Je crois pas que je l'ai dit, donc je le dis. Monaco ne pouvait pas prêter plus de joueurs en Ligue 1, en fait. Donc, c'est pas qu'ils ont préféré le prêter à Mayence, à Mainz, ce qui aurait pu être logique, hein, de ne pas le prêter à un concurrent direct. Enfin, je trouvais ça un petit peu ridicule de le faire à la base. Puis, au final, c'est pas qu'ils ont voulu ça. Ils acceptaient volontiers de nous le prêter, mais on n'a pas pu, puisqu'ils avaient déjà prêté trop de joueurs en Ligue 1. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est un peu bizarre qu'on puisse quand même faire toute l'opération. C'est pour ça qu'on a dû, entre guillemets, se rabattre sur Moise Kean, ce qui, de toute évidence, c'est plutôt un bon choix. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore dire sur notre effectif, notre tactique, tout ça? On a Traoré qui s'est blessé assez gravement, hein, quelques semaines. Donc c'était un petit peu embêtant. Du coup, ouais, une foulure à la cheville quand même. On a dû, c'est pour ça que Piaka a dû jouer. Je sais toujours pas si on dit Piaka, Piacha, on va dire, ou Piassa, on va dire Piaka pour le moment, puisque c'est comme ça qu'on le dirait en français, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je le fais jouer en second de cornet, on va dire ça comme ça. C'était à mon avis, hein, ça fait partie de ce genre de décision. J'ai vraiment hésité à acheter Marco Piaka en me disant, mais j'ai déjà quand même, les côtés sont bien fournis. Hein. J'avais Vargas et Fischer sur le côté gauche. J'avais cornet et Traoré sur le côté droite. Et puis au final, je me suis dit, ouais, mais bon, quand même, ça peut être pas mal d'avoir un joueur de plus. Et en fait, ben, on voit qu'il a joué pas mal de matchs. Il a joué très régulièrement sur le côté gauche quand Vargas était blessé. Maintenant, il joue très régulièrement sur le côté droite tant que Traoré est blessé. Donc, franchement, je suis très satisfait de cet achat. D'autant plus que les moyens, on les a. Hein. Financièrement, on est un petit peu. On voyait qu'on perd quand même pas mal d'argent par rapport à ce qu'on avait au début de saison, bien sûr. Mais ça va se calmer hein, quand on aura des rentrées en fin de saison, bien sûr. Et puis, d'un point de vue du budget des transferts, on a encore pas mal de monde, pas mal de pognon. Donc, tout va bien de ce côté-là.
En dehors de ça, toi, tu sais quoi, toi? Ah, tu partiras pour... Ouais, d'accord. En dehors de ça, on m'a dit en commentaire que ce serait intéressant de voir les l'augmentation, hein, des, enfin, voir où en étaient les joueurs au début de la partie, puis après la saison, pour voir l'évolution liée avec les entraînements. Je vais pas faire ça maintenant, j'essaierai de penser à faire ça en fin de saison. On peut remarquer quand même que même parmi nos joueurs réguliers, hein, si on prend par exemple un Lucas Touzard, qu'on va regarder ses progrès, son évolution des attributs, on voit qu'il y a pas mal d'attributs qui montent, hein, des attributs intéressants. Par exemple, si on prend les passes, il a commencé à 13, il est maintenant à 13,8. Donc ça monte, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est pas non plus... Bon, en même temps, c'est une saison, hein, dribble, il est passé de 9 à 10. Passe, il est passé de... Il avait à la base, il avait 13, il a maintenant... Bah, c'est peut-être ça que je regardais avant, en fait. Marquage, il était à 15 au début, il est à 15,6 maintenant. Donc ça avance relativement lentement, ça avance un peu plus vite, me semble-t-il, chez certains jeunes, mais on fera un topo à la fin. Par contre, un truc que j'ai pas du tout fait et que je me dis qui vous intéresse peut-être, parce que moi c'est vrai que c'est des trucs qui de temps en temps m'intéressent aussi, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé en fait dans les autres championnats, ce que j'ai pas du tout fait. J'ai même pas regardé ce qui s'était passé en Ligue 2 la saison passée. Donc ça peut déjà être intéressant de voir, parce qu'il y a des trucs bizarres quand même qui se sont passés. Hein, genre j'ai joué Valenciennes en Ligue 1, quoi. C'est quand même un peu particulier. Donc effectivement, Valenciennes s'est qualifié. Est monté directement en promotion directe je vais les retrouver avec Auxerre qui s'est qualifié en promotion directe, et puis je sais pas qui a été champion, c'est Auxerre, d'accord. Et les troisièmes, c'était est-ce qu'on peut voir, normalement on doit pouvoir voir si je fais ancien vainqueur. Troisième, c'était Metz, et Metz a joué le match aller du barrage à la maison. Ils ont battu Angers, genre 4 à 1, mais vraiment un gros stomp. Je me suis dit, ok, bon, bah, on aura Metz en Ligue 1 la saison prochaine. Et ils ont perdu 3-0 le match retour à l'extérieur. Donc, du coup, Angers a sauvé sa place, mais alors par les poils la saison passée. Et puis là, de nouveau, ça va pas super bien. Sont descendus, par contre, comme vous voyez, il y a des équipes qui manquent, hein, clairement, sont descendus. Le TFC et l'OGC Nice, c'est quand même deux gros morceaux qu'il est un peu surprenant de voir en Ligue 2. Toulouse, le TFC s'en sort très très bien en Ligue 2, tant mieux pour eux, avec leur nouveau logo. Et puis l'OGC Nice, par contre, peine un petit peu plus. Hein, l'OGC Nice qui était en Coupe des Champions il y a encore quelques saisons, hein, avec notamment Carl Jenkinson, d'accord, c'est un peu random, mais pourquoi pas. Donc il y a eu quelques surprises, on va dire ça comme ça, en Ligue 1. Les autres championnats, je n'ai absolument pas regardé, je ne sais pas qui a gagné quoi. Donc on peut regarder, c'est ça, championnat en détail. Prenons la première division espagnole, je crois que c'est l'Atlético Madrid qui l'a gagné la dernière fois, on va voir ça. Simplement ancien vainqueur, mais il n'y a pas moyen simplement de voir la saison, il doit y avoir moyen de voir la saison d'avant, non? Si je vais dans phase, voilà, saison 2018-2019, effectivement, l'Atlético Madrid, donc ceux qui nous ont sortis, je tiens à le dire, ceux qui nous ont sortis de la Champions League, et quand même, on a perdu 2-0 là-bas et on a fait 2-2 à la maison, donc c'est pas non plus, on s'est pas fait humilier, ont été champions d'Espagne, c'est quand même pas dégueu du tout. Si on prend la première ligue, reprenons ben, comme ça, classement, comme ça c'est plus simple. L'année passée, c'est Liverpool qui a gagné devant Arsenal, ok. Alors j'ai de la peine à imaginer Arsenal vice-champion cette année, mais ok. Manchester City et United en Coupe des Champions. Et puis Chelsea, Tottenham, Southampton a fini 6e, voilà qui est très intéressant. Si on prend ensuite, bon Ligue 1 on a vu, la Serie A on peut rapidement regarder aussi. La Juventus a été champion, quel choc, devant Naples, la Fiorentina, l'Inter, Roma, Milan, Lazio. Pas eu beaucoup de surprises, hein. On peut éventuellement discuter de l'ordre, mais encore peut-être la Fiorentina quand même, qu'on estimait pas forcément si haut, a priori. Je ne sais pas si on peut faire une présentation de la saison à la base. Est-ce que c'est la bonne saison? Non, je pense pas que ce soit la bonne saison. Mais en tout cas, on voit que c'est un peu les mêmes équipes qui devraient être en tête. Donc pas trop de surprises de ce côté-là. Bundesliga, on a... Le Bayern qui a été champion, pouf, très très nettement. Le deuxième, pas beaucoup de points, hein, le deuxième et le troisième. Et puis Dortmund qui est hors de Coupe des Champions, ce qui est très très étonnant aussi. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus gaffe à ça, parce que c'est intéressant, hein, quand on a une équipe aussi importante que Dortmund, par exemple, avec des gros gros joueurs, des très très bons jeunes joueurs,
qui est sorti de la Coupe des Champions, il y a peut-être moyen de faire un petit raid ou deux sur eux, c'est-à-dire de leur voler des joueurs en disant ouais, mais nous on est en Coupe des Champions, donc voilà. Ok, on est dans un moins bon championnat, on est une moins bonne équipe, mais on est en Coupe des Champions. Ensuite, on a au Portugal, alors on peut rapido se regarder. Porto a été champion, ouais, tout juste devant le SLB, devant Benfica et le Sporting. Bon, c'est pas particulièrement choquant. Si on prend la division belge, alors je ne connais pas la division belge personnellement, on voit que c'est Lokeren qui est en tête maintenant. La saison passée, c'est Genk Gant qui a gagné, mais Anderlecht qui a été champion. Ok, je ne sais pas comment fonctionne ce championnat. Barrage pour l'Europe. Peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, Genk a été premier, mais Anderlecht a été champion. Peut-être que il joue. C'est peut-être. Ça fonctionne comme ça. Hein, c'est peut-être un championnat. Un championnat où chaque équipe joue 15 matchs, 30 matchs les uns contre les autres, et à la fin c'est Anderlecht qui gagne. Non, mais c'est peut-être pas ça, mais peut-être effectivement qu'après on a un système de poules qui sont divisées, donc ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, ils font 30 matchs, hein. Ils jouent chaque fois, deux fois contre chaque équipe, puis après les 6 premiers sont qualifiés dans une poule qui va jouer les uns contre les autres, et en gros ils jouent deux fois les uns contre les autres, et c'est celui-là qui est champion. A priori, en tout cas, ça a l'air d'être le cas. On va pas regarder les règles en détail, mais ça a l'air d'être le cas, du coup ça explique pourquoi c'est pas ceux qui apparaissent sur le premier du classement qui sont champions. Aux Pays-Bas, c'est le PSV qui a été champion devant l'Ajax, Heerenveen, puis Feyenoord. Ok, et puis en Suisse, le moment important, hein, je pense que Young Boys aurait été champion, ouais, voilà, 2 points d'avance sur Bâle, alors si ça se finit comme ça cette saison, hein, alors que Young Boys, ça, je crois, fait une fois autre chose qu'une victoire depuis le début de la saison, c'est absolument ridicule. Bâle, ok, juste derrière, d'accord, pourquoi pas. Ok, donc maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour rapide, on va s'y mettre parce qu'on a quand même 2 matchs à faire, donc ça va être assez long. Hein, 2 matchs, comme vous le voyez, on a des matchs importants. Un match à Marseille contre l'OM, donc un derby, puis un match de Coupe des Champions contre Arsenal. Pour, je pense honnêtement, ces 2 matchs, donc ça risque d'être un petit peu problématique au niveau de la rotation de l'effectif. Peut-être que contre Arsenal, on jouera différemment, honnêtement. Peut-être plus offensif, pourquoi pas, comme ça on tentera de jouer un peu plus offensif, puis on verra ce que ça donne. De toute façon, comme je répète, hein, le résultat n'est pas très très important. Mais contre Marseille, on va quand même jouer plutôt plus défensif. Du coup, on aura Dembélé devant, bien sûr. Même si Moise Kean est dans super forme, je préfère quand même faire jouer Dembélé. Il faudrait peut-être que je voie pour mettre Kean en remplaçant au cas où, puisque vraiment il a la méga confiance, donc ça pourrait être très très intéressant. Mais le problème c'est que ça me ferait sortir Fekir, et puis ça c'est un peu embêtant. À côté, on a donc Vargas à gauche, on a évidemment Cornet à droite. Puisque Traoré est blessé, au milieu on a Touzard, Aouar et Ndombele. Comme ça, Ndombele et Aouar jouent ensemble. Wagnerman derrière, puisqu'il est, à mon avis, il est devenu presque notre meilleur latéral. Bon, on voit qu'en termes de moyenne, c'est à peu près la même chose. Puis Kenny Tété est considéré comme un petit peu meilleur. Mais bon, Kenny Tété a joué quand même le dernier match. Donc non, on va peut-être faire jouer Wagnerman quand même sur le match-là. Évidemment, Moreno à gauche, même si. Ferland Mendy est revenu hein, depuis et puis est observé par la moitié du monde connu, mais surtout j'aime bien qu'il est observé par Naples, Benfica, Séville et aussi Brighton et Hanovre, c'est quand même un petit peu random. Donc Moreno joue là quand même parce que Ferland Mendy est un peu blessé, et puis de toute façon encore un peu fatigué, et de toute façon je pense que Moreno est clairement meilleur. Smalling et Meret derrière, qui sont à mon avis qui est notre meilleure paire défensive, particulièrement contre des joueurs assez rapides, hein, puisque les deux sont relativement rapides, et évidemment le au but qui est revenu, on joue notre tactique relativement défensive comme la dernière fois. Je reste avec une ligne défensive normale, je reste avec une hauteur du pressing moins élevée. L'idée c'est qu'on ouais, on joue même pas particulièrement court en fait, donc c'est pas une nécessité. Donc non, met ta hauteur de pressing normale en fait, et puis on verra. Peut-être pourrait-on imaginer défendre un peu plus bas, hein, comme. Enfin, je venais d'en parler, hein, j'ai un petit peu réfléchi dans l'autre série, la série sur la présentation des clubs. J'ai un peu réfléchi, je me dis que ça peut être éventuellement intéressant d'avoir une ligne moins élevée défensivement, puisque ben, c'est vrai que ça les laisse jouer devant, hein, si vous voulez, mais ça les
les aspire aussi un petit peu plus. Et donc, du coup, nous, on peut plus facilement se créer de l'espace devant. A priori, pour attaquer, c'est vrai que ça peut être assez intéressant, mais c'est aussi un peu plus dangereux. Je vous propose qu'on teste, qu'on tente contre l'OM. On verra ce que ça donne. Ça peut être dangereux contre l'OM. On regardera un petit peu leurs joueurs, mais je pense qu'ils ont quelques bons attaquants intérieurs. Ça peut être un peu problématique, du coup, puisque s'ils ont un bon tir de loin, bah, ils seront en position pour pouvoir le faire tranquille. Vous voyez qu'on a une forme excellente. Leur forme à eux est irrégulière. Ils ont perdu contre Paris. Évidemment qu'ils ont perdu contre Paris. Non, c'est pas vrai. Non, 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 ils ont battu Paris. Eux, ils ont battu Paris. Ils ont perdu contre Monaco dernièrement, 3-0 à l'extérieur. Mais ils ont battu Paris. C'est là où Paris a perdu son match. Mais c'était à Marseille. Donc, pas simple, hein. On est favori, mais pas simple. Sélection d'équipe, on vient de la faire. On y va. Donc, Mathias Vargas n'est pas suffisamment affûté. On a Piaka en remplaçant, hein, j'ai pas dit. Nabil Fekir, Pape Sheikh, Zobnin, puisqu'on a beaucoup de milieu de terrain. Donc, c'est pas mal d'en avoir deux sur le banc. On pourrait imaginer ne pas mettre Zobnin, peut-être mettre quand même. Moïse Kean, qui vient de faire un hat-trick. Ce serait presque tentant. Ce serait presque tentant. Ou alors on vire Pape Cheikh directement, et puisque Zobnin peut prendre la place de pas mal de ses joueurs. Ouais, on peut tenter ça. On espère juste qu'il ne faudra pas remplacer des milieux de terrain à l'appel, c'est tout. Mais j'ai quand même envie d'avoir Moïse Kean. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir Moïse Kean sur le banc. Parce que je pense qu'il peut éventuellement, vu sa forme actuelle, hein, vraiment faire la différence sur un petit coup comme ça. Donc mettons-le sur le banc. Ok, c'est parti gentiment. Alors, on a. Ok, ça c'est très intéressant. Pas de Florian Thauvin. Est-ce qu'ils l'ont vendu ou est-ce qu'il est blessé? Ça c'est très très bien. Puisque là, c'est quand même un gros gros joueur, Florian Thauvin. Peut-être qu'il jouera meneur de jeu avancé, Sanson. Dimitri Payet, par contre, alors ça, c'est clair que ça va être un peu problématique. Typiquement, hein, 16 de tir de loin, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une 53? Waouh, je ne savais pas si fort. Ok. Bon, peut-être qu'il se fait un petit peu plus vieux aussi, c'est possible. Et puis, Szymanski, qui est aussi pas mauvais en tir de loin. Hudson Edouard. Qui a un tir de loin correct, c'est pas ça son arme principale de toute façon. On peut regarder encore Strootman par exemple, 11 de tir de loin, ça va. Et Luis Gustavo qui joue un rôle plus défensif, je pense. Donc a priori qui devrait pas trop faire ça. Ça joue, c'est pas trop le problème. On va peut-être quand même faire un petit peu gaffe à ça. Et on va dire à nos joueurs déjà de manière véhémente que. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Nous partons favoris, donner une occasion aux fans de faire la fête. On va dire à Dembélé de manière assurée que je veux voir des buts. Je peux pas. Je crois en vous, faites la différence. Il est motivé, c'est très très bien. Les autres, on va accepter ça. Pour le moment, on va quand même tenter de jouer avec notre défense basse. On va voir ce que ça donne. Il y a un joueur qui est Payet qui peut poser pas mal de problèmes sur le côté du. Il est très très fatigué par contre, ça c'est intéressant. On peut peut-être essayer de lui faire un marquage assez strict. Ça peut être pas mal. Et puis, let's go. Vous allez affronter l'un de vos grands rivaux. Bla bla bla. On parle beaucoup de l'avenir de Christophe Pélissier. C'est pas à moi de commenter. Les deux équipes sont en forme. Nous allons devoir être à notre meilleur niveau. Ok. On est sur du moment clé. On va se mettre en mini résumé. On donne comme consigne à nos joueurs de s'encourager. Et c'est parti. Avec l'OM qui a la possession. Payet pour Baba à gauche. Qui centre Smalling qui peut détourner Strootman qui récupère pour Szymanski, retour à Strootman, mauvaise passe, Vargas qui peut dégager, mais alors c'est vraiment très très mal fait. Lopez qui joue long sur ce dégagement 5 mètres pour la tête de Dembélé, mais c'est Gustavo qui récupère. Aouar qui tente de décaler Cornet, mais récupération des joueurs de Marseille avec Payet qui tente de lancer Hudson-Edouard. Qui était un petit peu esseulé et qui a un petit peu donné, ça a un peu rien donné son tir. Wagnoman qui tente de lancer Cornet, c'est Baba qui peut récupérer, Baba qui dégage au centre, Luis Gustavo qui détourne de la tête sur Strootman, qui peut détourner pour Payet, pour Edouard qui est de nouveau un peu seul mais qui arrive à décaler Sanson. Sanson qui centre pour Strootman, Payet qui marque, 1-0. Pas top comme début. C'est parti directement. Touzard pour Aouar Ndombele. Donc, les Cornet qui se débarrassent un petit peu du ballon, mais on récupère avec Vargas qui tire. Bon, Mandanda, sans trop de soucis. On va rester un petit peu défensif. On va, je pense, commencer à attaquer peut-être à la fin de la mi-temps. On verra ce qu'il en est. Peut-être faire entrer Fekir en deuxième mi-temps pour pouvoir jouer un peu plus haut avec un joueur un peu dans cette.
Kabila, parce que là, ça devient non seulement on perd, mais en plus c'est eux qui ont encore toutes les occasions. On va redire qu'il faut qu'ils montrent qu'ils ont du caractère, mais en même temps, si je leur dis de rester bas, c'est pas top. Payet au corner, encore une fois, pour Rami. Touzard qui peut dégager, mais Sanson qui récupère, qui joue avec Gustavo. Szymański qui récupère, bel arrêt de Lopez. C'est bien joué, ça fait une deuxième grosse occasion quand même pour les Marseillais. Dembélé qui perd le ballon, mais Ndombélé qui récupère, qui tire, c'est n'importe quoi. Ok, touche pour l'OL, mauvaise touche de Fagnoman. Szymański qui peut récupérer pour Payet. Payet qui joue avec Strootman, Luis Gustavo pour Baba sur le côté. Baba qui centre pour la tête d'Hudson-Édouard, mais récupération des joueurs de Lyon qui peuvent dégager. C'est quand même les Marseillais qui récupèrent avec Szymański. Ali Mohamed à droite, Gustavo pour Strootman, retour à Gustavo qui joue avec Baba sur le côté. Belle intervention d'Aouar qui met en... Ah, peut-être pas, belle intervention d'Aouar. On a la VAR qui donne que dalle, donc oui, belle intervention. Corner pour l'OL de Oussem Aouar, justement, c'est Moreno qui peut récupérer. Moreno qui joue au centre avec Touzard. Touzard pour Alberto Moreno. Moreno pour Ndombele qui fait mais vraiment n'importe quoi. Ok, on va entrer dans la 30e minute. On va se mettre à les attaquer un petit peu, histoire de faire changer un peu la dynamique de ce match. Pour le moment, on reste comme ça. Je pense que c'est plus malin comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Pour le moment, on reste comme ça pose pas de problème. Avoir particulièrement avec une tâche de soutien, ça joue. On a beaucoup d'intensité. On va en profiter pour dire à Cornet de s'engager moins. Je lui ai dit de tirer moins souvent. Je pense que ça fait un moment que je lui ai dit ça. Est-ce que ça reste valable? Ok, et puis on va y aller et on va en demander plus par la même cela. Merci, tu me laisses faire ça. Merci, voilà, ça c'est fait. Et c'est quand même l'OM qui a la highlight d'après, ça fait toujours plaisir. Baba qui a de la place, qui joue avec Edouard, mais Touzard qui récupère, qui peut dégager. Bon, c'était un petit peu rien cet highlight. Coup franc de Vargas, c'est au-dessus. Ok. On va sortir Ndombele à la mi-temps. Hein. En plus, il est crevé. On va leur pousser une belle gueulante, faire entrer Fekir devant et puis essayer de jouer offensif. Parce que ça a vraiment rien donné cette première mi-temps. En plus, ils ont marqué très très tôt. On va être agressif. On va leur dire que montrer un peu de volonté. On dirait une équipe qui ne veut pas vraiment s'imposer. Il y en a deux pour qui ça n'a pas marché. C'est Oussem Aouar, à qui on va dire de manière calme que je ne suis pas du tout satisfait. Ainsi que Lucas Touzard, où on va faire la même chose. Voilà, généralement ça marche et ça marche bien. Ils sont tous motivés à déterminer, c'est très très bien. Ensuite, on va rester positif. On va rester positif. On va rester dans ce type-là pour le moment. On va par contre faire entrer Nabil Fekir à qui on va donner une tâche d'attaque. Vargas, tu vas prendre une tâche de soutien, ce qui te convient mieux. Et puis le reste, ça joue comme ça, nickel. Et heureusement parce que je ne peux pas faire de changement. On va dire qu'on en veut plus. Et puis ben, on espère mettre un petit peu le feu au Vélodrome pour la fin. Allez! Mandanda qui lance directement pour Payet, mais récupération des joueurs de l'OL avec Cornet qui se fait tacler par Szymański. Récupération Baba. Baba qui avance vers le centre, qui reprend un petit peu son côté. Baba qui perd le ballon, qui récupère Strootman pour Sanson. Sanson pour Edouard qui tire, c'est à côté. Ok, Alberto Moreno à la touche, mauvaise touche, mais c'est pas grave, c'est récupéré par les Lyonnais. Aouar qui décale Cornet, c'est bien joué. Cornet qui malheureusement a ralenti le jeu, c'est dommage. Wagnoman qui centre, c'est dans les pieds d'un défenseur marseillais qui peut dégager. Touzard qui récupère pour Smalling. Smalling qui décale Vargas. Vargas qui voit Moreno sur le côté, c'est bien joué. Moreno qui va pouvoir centrer, non, parce qu'il attend trop. Touzard pour Aouar, Aouar pour Cornet. Cornet retour à Aouar, Aouar pour Wagnoman. Wagnoman qui passe, un, deux joueurs qui tirent. C'est bien joué, c'est notre première grosse occasion, mais malheureusement c'est raté. Ça donnera quand même un corner pour Fekir, pour une tête marseillaise, celle de Strootman en l'occurrence, Aouar qui récupère, qui change d'aile pour Meret, c'est très dangereux, mais je pense que ça a joué. Dégagement 5 mètres pour Lyon, fait rapidement par Lopez, Moreno qui joue avec Fekir. Fekir qui tente de lancer dans Dembélé, ça passe, Dembélé qui est tout seul, Dembélé qui rate son tir. Je pense que si c'était Moïskine, là c'était goal.
à discuter, hein, Dembélé qui est sur du 6-5 ou Cornet qui est sur du 6-2. On pourrait tout à fait discuter pour changer un, voire les deux. Strootman pour Marseille, pour Szymański, superbe arrêt de Lopez, mais bon, ça reste vraiment problématique. Il faut vraiment que nous, on se crée des occasions et qu'on les empêche d'avoir ce genre-là. Caleta-Carr pour Marseille, Sanson qui ne peut pas récupérer, Dembélé qui de nouveau hein, est un peu court. Il fait pas hein, une bonne saison, hein, Dembélé, honnêtement. Je trouve, je vais être parfaitement honnête. Payet au corner, c'est pour Szymański de l'autre côté. Szymański qui joue avec Sanson, c'est dévié en corner par Chris Smalling. Ça commence à devenir un peu problématique. Payet de nouveau pour la tête de Rami Lopez qui s'interpose. Lopez, c'est pas la fin de la highlight, ça peut être positif si Lopez arrive à faire quelque chose. Bon, ok, il joue à la main sur Fagnoman, c'est bien. Fagnoman qui relance Cornet, Cornet pour Dembélé devant Dembélé qui fait à peu près n'importe quoi, encore une fois. Ok, on va entrer à la 65e minute, on va tenter, que je ne veux pas appeler forcément Levatou, mais de faire peut-être entrer quand même Moise Kean. Cornet fait un très très mauvais match, on l'a dit. 6,4, c'est pas très très mauvais, mais c'est mauvais globalement. En plus, il a déjà un carton. J'essaie juste de regarder si je enlève ça que je mets ici. Cornet, je peux le remplacer. Ouais, je pourrais le remplacer par Vargas. Je vois pas. Moise Kean, ce serait pire en fait. Ok, d'accord. Bon, on va sortir Dembélé qui fait pas un bon match. On va faire entrer Moise Kean. On va lui dire. On va lui dire continuer sur votre lancée. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis on va voir ce que ça donne. Surtout que Dembélé en plus est très frustré. C'est pas forcément la meilleure des choses. Vargas fait pas un super match non plus. Hein. Peut-être le sortira-t-on aussi. Fekir qui prend un jaune. Ça c'est pas très très bon. On va dire à Fekir tout de suite de s'engager moins. Et puis on va continuer là-dessus. On a un coup franc d'Aouar. C'est pour la tête de Smalling au deuxième poteau. Mais Mandanda qui s'interpose. C'est dommage. On commence à engranger un petit peu des occasions, c'est déjà ça. Peut-être qu'à un moment ça va passer. Payet pour Baba. Baba sur le côté gauche. Baba qui rejoue derrière avec Caleta-Carr. Carr qui relance pour Payet qui est un petit peu seul. Ce qui correspond vraiment bien à la consigne que j'ai demandé de le marquer de près. Smalling au coup franc pour l'OL. Smalling qui joue avec Vargas. Vargas pour Aouar au centre. Aouar qui joue en première intention pour Alberto. Alberto qui peut pas faire grand-chose. Gustavo qui peut récupérer. De nouveau Payet. Payet qui lance Mitroglou sur le côté droite. Mitroglou qui centre. Meret qui s'interpose. Mais Mohamed qui peut reprendre. Qui joue avec Strootman. Strootman pour Payet. Payet qui tire. Mais c'est détourné par la défense. Ah! Ça va pas. Come on, allez. 70e minute. On va pas faire de changement maintenant. Fagnoman qui est aussi un petit peu crevé. Alberto pour Touzard. Allez. Allez, c'est le moment. Touzard pour Fekir. Fekir Vargas. Vargas Keane. Ah, c'est détourné en corner. Corner que va effectuer Nabil Fekir. Mais Mandanda qui s'interpose sans problème. Ouais. On a de la peine à marquer depuis un petit moment. Hein. Ça s'arrange pas à voir. On va jouer offensif. On va faire notre dernier changement. Touzard est un petit peu crevé, mais je suis pas sûr que faire entrer Zomnin maintenant soit la solution à notre problème d'attaque. Fagnoman est aussi crevé. Ça peut être intéressant d'apporter quelque chose. On voit que Moreno fait un match terrible aussi. Sinon, Vargas qui fait un mauvais match, qui en plus de ça est frustré. On pourrait peut-être essayer de mettre Piaka qui a aussi sur 2-3 bons derniers matchs. Alors en tout cas, il nous faut plutôt une solution offensive et on va lui dire aussi de continuer sur sa lancée. Allez. Allez, 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 allez. Come on. Bon, 86e minute, mais c'est Marseille qui a la balle. Thiago Maia. Thiago Maia qui perd le ballon sur Aouar. Allez. Cornet. Cornet qui lance Moise Kean. Kean qui tire à côté, mais c'est pas vrai. Quand ça veut pas. Et le match va se terminer sur ce score de 1-0. Deux occasions franches, trois demi-occasions, on n'est pas capable de marquer un but. Ça devient extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant. Je vais être très très agressif.
Je vais pas leur dire d'être tous à l'entraînement demain. Je vais juste leur dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur. J'ai pas envie de... Enfin, je préfère qu'ils aient une récupération avant le match contre Arsenal quand même. Sinon, c'est un petit peu exagéré, je trouve. On va d'ailleurs se retrouver juste avant le match contre Arsenal. Je vous dis à tout de suite. Voilà, les gens. Nous voilà donc prêts pour ce match contre Arsenal, hein. Vous voyez qu'ils sont favoris. Et que bon, ils ont perdu leurs deux derniers matchs, dont un match, bon, on peut regarder, hein, mais assez surprenant contre Burnley. Ils ont perdu, bon, à l'extérieur contre United. Jusque-là, c'est des choses qui arrivent, mais à la maison contre Burnley, c'est moche, hein. C'est très très moche. Donc peut-être, ou alors soit peut-être qui prenait de l'élan pour notre match, on va dire ça comme ça, hein, qui reposait quelques joueurs, c'est tout à fait possible. Notre côté, donc comme je vous ai dit, hein, c'est pas un match très très important, hein, même si on devait le perdre 7-0, on serait de toute façon premier. C'est donc pas très très grave, mais j'aimerais bien, ce qui m'intéresserait en fait, ce serait de vous montrer un match où on gagne, ce serait pas mal, où on fait autre chose que perdre, parce que là, on a perdu contre Paris au dernier épisode, on a perdu contre l'OM le dernier match, on a maintenant Arsenal devant nous, espérons que ça se passe passablement mieux. Mais ça va être compliqué, compliqué. On va sélectionner notre équipe. Vous voyez que je suis reparti sur cette tactique. J'ai pas encore switché, mais je vais switcher. Je vais enlever ça pour voir un petit peu si on voit une différence notable. Ce qu'on pourrait même faire, c'est éventuellement mettre une ligne plus haute de pressing. Hein, comme ça, on pourrait. Ah non, ne soyons pas greedy. Elle fonctionnait pas trop mal cette tactique avant. Donc allons comme ça. Vous voyez que du coup on aura bien fait tourner, on a Fekir devant, puisque a priori il n'a pas joué le match dernier match, ni Lovro-Mayer, et Lovro-Mayer a commencé à se plaindre un petit peu qu'il n'avait pas assez de temps de jeu, donc le prochain match il jouera, c'est clair, donc ça serait bien que Fekir joue maintenant. En plus Moise Kean est... non, il a un risque de blessure faible, ok, mais il avait un risque de blessure élevé avant. Dembélé qui a joué le match par contre, lui, alors est bien bien en forme, hein. Il n'a vraiment pas fait grand chose dans le dernier match. Enfin, c'est pas grave, on donne quand même un match à Fekir. Fischer à gauche, Traoré de retour de blessure à droite. Alors, ils nous disent qu'il devrait pouvoir jouer 75 minutes. On verra, on a Moise Kean, on a Cornet, Maxwell Cornet, si jamais sur le banc. Donc, on est prêt, il n'y a pas de souci. Pape Shake, cette fois-ci par contre au milieu en box-to-box à la place de Ndombele. Ndombele qui par contre qui est sorti un petit peu avant du dernier match jouera en meneur de jeu. Dzobnin derrière en milieu défensif. On a Smalling qui revient puisque Marcelo est enrhumé, pour moi simplement. Et on l'a envoyé à la maison. Tété qui joue à droite. Denayer qui prend la place de Meret pour faire tourner. Mendy qui joue à gauche. Mendy aussi un petit peu crevé. Fagnoman est sur le banc si jamais pour pouvoir le remplacer. Ça pourrait presque être malin pour le coup de mettre carrément Moreno en fait sur le banc. Voir où il en est. Ouais, en plus il est en meilleure forme. Donc espérons juste qu'on n'ait pas de problème avec notre latéral droite, que Tété puisse tenir. Si Tété peut pas tenir, ça va être un peu problématique. Qui est-ce qu'on peut faire entrer si jamais Denayer peut, au pire des cas, jouer latéral droite, couvrir un petit peu. Qu'est-ce que tu donnes en latéral droite, Denayer? Ouais, ça va. Non, ça va. Franchement, ça doit être faisable. On prend le latéral offensif avec une tâche de soutien. Il n'a pas beaucoup de centre, c'est vrai, il n'a pas beaucoup d'appels de balles, c'est un peu embêtant, mais défensivement en tout cas il est au point. Il est en train de perdre un petit peu des stats, il faudra que je regarde un petit peu son entraînement, ça n'a pas l'air de très très bien se passer. Mais enfin bref, détail. Autrement, j'ai fait signer un nouveau contrat à Victor Fischer qui fait une très bonne saison. Vous voyez 7-33 là-bas en bas. On a une excellente forme. Et donc du coup, il est toujours joueur clé pour 338 000 cette fois-ci. Hein, des joueurs commencent à demander pas mal plus de pognon. Alors on l'a, c'est pas un problème, mais quand même. Cornet qui est bientôt en fin de contrat, je lui ai proposé aussi un contrat un peu plus cher à 200 000 par mois, grosso modo. Et qui semble avoir accepté. Il n'a pas encore signé, mais il semble avoir accepté. Toujours en rotation. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Sinon, je vous ai dit Lovro-Mayer qui commence à. Hein, il m'a dit la dernière fois, il est venu. Enfin, vous savez, hein, le nouveau truc de Football Manager 2019, c'est le capitaine qui vient vers vous en vous disant, ouais, alors à voir, lui, il n'a pas l'air d'être très très bien dans sa tête. Et donc du coup, vous allez prendre l'initiative d'aller parler aux joueurs. C'est pas l'inverse. Et en gros, en faisant ça, il a tout de suite dit, ah ben, vu que vous êtes venu m'en parler, c'est bon. Je me rends bien compte que ça vous touche. Donc on va en rester là. Mais je me rends bien compte que si il joue pas prochainement, il aura un petit peu, il sera un petit peu grinche. Donc prochain match, il jouera. Ok, on va y aller. On va y aller. Ah, encore peut-être une petite chose. On a tiré Marignane Gignac FC, une équipe de Ligue 2, étonnamment, pour le premier tour, enfin le 9e tour de la Coupe de France, le premier tour dans lequel on est engagé. Et on a accepté un match amical contre Naples le 8 janvier, puisque en janvier on a une trêve.
Je ne sais pas si je vais respecter ce match, je ne sais pas si je vais pas l'annuler, parce que le 8 janvier, en fait, c'est pas super pratique pour être parfaitement honnête. Hein, ça fait qu'au final, c'est 3 jours avant, hein, si on prend en janvier. Hein, c'est quand même pratique de pouvoir, hein, circuler comme ça. si on prend en janvier, ben, vous voyez, c'est en fait 3 jours avant le match contre Marignane. Alors, le match contre Marignane, c'est. On va clairement faire tourner, que les choses soient claires, mais on verra. Disons que ce serait quand même peut-être plus utile de l'avoir le dimanche, par exemple, hein, là où on n'aura pas de temps de jeu, mais où on ne sera pas trop stress non plus. Ok, bref, on va y aller. Fernand Mendy et Bertrand Traoré sont pas au top, c'est pas très très grave. Espérons que ça suffise quand même pour qu'ils tiennent au moins 60 minutes. Rhys Nelson à droite, Emil Forsberg à gauche, Mesut Özil, Granit Xhaka, Aaron Ramsey, Pierre-Emerick Aubameyang, Sessegnon à gauche, d'accord, toujours latéral, Chambers, hein, c'est une idée, et Bellerin à droite avec Bernd Leno qui a fait un super match contre les Wolves hier. Au but, d'accord, très bien, intéressant, on va voir ce que ça donne. Nous, de notre côté, on va leur dire. Assurez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Il y en a un qui est motivé. Ben, tant mieux. Soyons honnêtes. Demandez à notre adjoint. Alors, on va pas être dur là-dessus. On fait jouer Özil sur son mauvais pied. Non? Si, quand même. Parce qu'il a quand même pas vraiment de pied droite. Et on fait un marquage strict. Jamais sur Pierre-Emerick Aubameyang. Ça peut se défendre. Très bien. Bord du terrain. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'absence de Marcelo va sans doute se faire ressentir. Je préférais qu'il soit aligné. Quelle est votre réaction suite à la prolongation de Victor Fischer? Je suis content que Victor souhaite rester. Quelle va être l'importance du rôle de Jonathan Juillard, un jeune gardien de saison qui vient de signer son contrat? Il avait un pré-contrat. Je crois que c'était un de nos premiers jeunes. Il a eu 16 ans là, cette semaine. Donc je suis content d'avoir pu trouver un accord. Mais cet accord, il est trouvé depuis pas mal de temps déjà. On va encourager nos joueurs et on est en mini-résumé. C'est très bien. Ça commence avec Özil qui joue avec Forsberg sur le côté. Forsberg qui joue derrière avec Sessegnon. Qui revient vers l'intérieur, joue avec Ramsey qui tire, Xhaka qui peut décaler Forsberg qui tire, et Poto directement, Xhaka qui récupère pour Sessegnon. Les gars, on se réveille, s'il vous plaît. Voilà, corner, d'accord. Déjà une demi-occasion après 50 secondes de jeu. Plaisir, belle sortie de Lopez, ce serait pas mal de pouvoir calmer un petit peu le jeu maintenant. À voir, là, voilà, la highlight se termine donc maintenant, ok, pas de souci. Corner de Forsberg pour une tête, c'est quoi? Aubameyang qui a fait une espèce de tête en arrière un peu bizarre là. Donc on touche pas trop trop le ballon pour le moment. Bon, c'est pas particulièrement étrange, sachant qu'on a bien et bien demandé à nos joueurs de jouer quand même passablement défensif. Encore un corner, pour le moment on a vu que des coups de pied arrêtés, on va dire, mais ça peut suffire, hein, on l'a vu, je crois que c'était sur un corner que Marseille nous a marqué le but qui leur a donné la victoire. Je déteste vraiment ces stratégies, ces tactiques défensives, super tir de Xhaka, du droite en plus, non? Ce qui est un peu surprenant puisque lui non plus n'a pas vraiment de pied droite. Ouais, c'est vraiment, je déteste ces stratégies défensives. On voit, hein, y a que des highlights de eux. Ils ont 3 tirs cadrés à 0, 8 tirs cadrés à 0. Ils ont 65% de possession de balles. Ben, il y a toujours 0-0, quoi. Mais je pense que c'est juste une question de minutes. Voilà, une latte maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation, quand même? On peut tenter ce que je proposais avant, un pressing plus haut. Allez, on va voir ce que ça donne. On peut aussi tenter de jouer, hein, une ligne de défense plus bas. Hein. Peut-être que ça ne plus bas, ça nous permettrait peut-être d'avoir nos occasions. Parce que là, on n'a vraiment aucune occasion. Hein. C'est ça qui est un petit peu fâcheux quand même. C'est que contre-attaque, c'est bien joli. Mais si c'est pour ne jamais réussir à avoir la moindre occasion de contre-attaque, ça sert pas à grand-chose non plus. Corner, parce qu'au bout d'un moment, on va finir par en encaisser un de ces corners. Donc, c'est juste accepter la défaite pour moi. Mais là, on fait un très très mauvais match. Je vais de nouveau les engueuler parce que ça va pas du tout. Je vais pas être évidemment, je vais juste pas me satisfaire. Ils sont tous très déterminés. C'est bien, c'est une bonne chose. On va essayer de rester un petit peu sur cette tactique. J'aimerais bien essayer de l'améliorer quand même un petit peu. On va essayer de jouer moins élevé et normal, voir si ça change quelque chose. L'intensité du pressing, ça me paraît très bizarre de la baisser, sachant que le problème c'est qu'on n'arrive pas à se créer d'occasion du tout.
Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est peut-être en même temps de proposer à Ndombele, pardon, d'être mezzala, donc comme ça de moins ralentir le jeu éventuellement quand on a une occasion. Et on verra un petit peu ce qu'il se passe, Go, de ce côté-là. Et on va leur en demander plus aussi. Ndombele justement pour Denayer qui joue avec Traoré. Traoré qui rejoue au centre pour Fischer, mais ballon tout de suite perdu. Voilà, qui est une bonne chose. Rhys Nelson. Nelson qui décale Aubameyang qui est tout seul et qui marque. Voilà. Alors, on va tout de suite annuler, annuler les trucs tactiques que je voulais mettre. Voilà, c'est bon. Et on va leur dire de montrer qu'ils ont du caractère. Parce que, en fait, c'est tout ce qui manquait, hein. Ils dominaient totalement le match de la tête et des épaules. Il leur manquait juste un but instantanément au début de la deuxième mi-temps. Maintenant, a priori, c'est un peu fini. Nos joueurs n'ont absolument pas de case, rien du tout. Leno qui joue direct avec Mustafi. Mustafi pour Xhaka, Forsberg. Forsberg qui joue avec Sessegnon. Qui change de côté pour Ramsey. Ramsey pour Nelson. Rhys Nelson qui rejoue avec Ramsey. Ramsey pour Bellerin. Bellerin qui rentre tranquille, pas de problème. Fais-toi plaisir, mon garçon. 2 à 0. On va arrêter de jouer cette tactique toute nulle. On va essayer de se mettre à jouer au foot un petit peu en attaquant complètement. On va donc faire rentrer Lovro-Mayer. Ça lui fera plaisir. Et on va dire à nos joueurs de continuer sur sa lancée, hein, c'est tout. Voilà. Et puis effectivement, on va leur demander de montrer qu'ils ont un petit peu du caractère. Bellerin à la touche pour Arsenal. Dzobnin qui s'interpose, mais récupération Bellerin. Özil qui centre. Ramsey qui tire, c'est dégagé. Récupération, c'est qui fait Kier. Ok, ça donne absolument rien. Jesse Lingard, milieu offensif qui est entré. Forsberg qui tire. Bel arrêt de Lopez. Traoré qui fait un très très mauvais match. C'est peut-être pas la pire des idées de le sortir, sachant qu'en plus il est un peu crevé. On fait rentrer Maxwell Cornet. Et on va lui dire de faire une bonne prestation. Le fait de jouer l'attaque, hein, marche pas beaucoup mieux. C'est un peu embêtant à cette vitesse, hein. Évidemment, on ne voit pas grand-chose du match, honnêtement, donc c'est difficile de dire, on voit vraiment que les grosses occasions. Donc pour le moment, on peut vraiment se fier qu'aux statistiques, mais qui sont pathétiques vraiment de notre côté. Mendy pour Maier, retour à Mendy, Mendy sur le côté qui centre pour Cornet qui met la tête. Voilà notre premier tir, non, deuxième tir. J'allais dire premier tir cadré, mais il n'était pas cadré. Donc en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. On va tenter de jouer cette tactique-là, histoire d'avoir un petit peu moins, de se crever un petit peu moins quand même. Parce que là, on est à la 65e minute et on est déjà vraiment, vraiment au bout du rouleau. C'est pas top. On va dire à nos joueurs d'en demander un peu plus quand même. Ce qui peut paraître paradoxal. Ils sont concentrés. C'est toutefois Arsenal qui a un coup franc. Xhaka qui tire de loin. Lopez sans problème. Si on peut repartir assez vite. Ah non, bon, d'accord. 72e minute, 73e minute. Mendy, est-ce qu'on laisse Mendy jusqu'à la fin du match ou est-ce qu'on tente de le sortir? Xobnin est un petit peu crevé, Ndombele aussi, au milieu du terrain. Ça pourrait être intéressant, mais Mendy qui revient de blessure, j'ai pas envie de l'aggraver non plus, donc pourquoi pas le changer lui. Maier pour Xobnin, retour à Maier. Maier qui tente une passe en profondeur, c'est raté. Aubameyang tout seul. Smalling qui récupère et qui peut lancer Cornet. Cornet tout seul. Cornet qui rate complètement son tir. Toujours plaisir. C'est pas comme si, en plus, quand on se crée pas d'occasion, c'est difficile, surtout qu'on est absolument incapable de marquer des buts ces temps. Donc c'est clair que c'est pas top. On va effectivement sortir Ferland Mendy histoire d'éviter les problèmes. On va dire qu'on a une bonne prestation. Très bien. Ok, Fekir qui prend un jaune. On va de nouveau perdre ce match, hein, mais cette fois-ci, c'est vraiment pitoyable comme match. 9 tirs cadrés à 0, on n'était pas là, purement et simplement. Fekir qui tente un coup franc, c'est raté. On n'a toujours pas fait de tir cadré. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Même quand on a tenté de jouer offensif, c'était un peu moins dramatique quand on tentait de jouer offensif, j'ai l'impression, mais quand même, on voit qu'on fait à peu près jeu égal, mais d'où cette tactique défensive, moi, ça me... Elle marche contre le PSG, je l'ai remarqué passablement, mais alors c'est vraiment les seules fois où j'ai vu marcher, sinon c'est leur laisser le contrôle total du match et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit de notre côté.
Ça a été comme ça contre Marseille. On a commencé à faire jeu égal, voire à être meilleur qu'eux, dès le moment où on a commencé à jouer au foot et qu'on a arrêté d'attendre qu'ils ratent leurs occasions. Contre Arsenal, c'est tout à fait similaire. Hein. On jouait. Ouais, l'avantage, c'est qu'ils ne marquaient pas. Hein. Je sais pas, peut-être qu'ils auraient marqué plein de buts si on avait joué l'attaque tout de suite. Mais je pense que même contre les matchs où ça a l'air compliqué, je pense pas que je vais refaire appel enfin, prochainement à cette tactique défensive. Je sais que ça fonctionne, mais je pense que. Ouais, je sais pas, ça fonctionne peut-être moins quand on a des joueurs un peu meilleurs, j'ai envie de dire, qui jouent vraiment du coup pas vraiment dans leur registre, et c'est un petit peu dommage. Je vais être très agressif, je vous attends tous demain à l'entraînement, vous êtes des gros nuls, soyons parfaitement honnêtes. Vraiment très 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 mauvais match de notre équipe. Alors en partie, c'est clair que tactiquement ça a pas joué, mais bon quand même, hein, on voit les stats de nos joueurs, 6.2, 6.3, la défense à 6.5, le meilleur de nos joueurs est à 6.8, c'est Chris Smalling. Et puis Lopez aussi. Les autres, c'est en dessous, ce qui est quand même pas du tout acceptable. Donc du coup, gros entraînement demain, ce qui va être un peu problématique, mais bon là, c'était quand même mérité. Emery satisfait de la victoire, tant mieux. On va assister à la conférence de presse, je le ferai après. On va regarder donc du coup ce que ça donne. Ça, comme je disais, ça change rien, moi c'est vraiment la manière. Hein. Si on avait perdu 2-0 en ayant quelques occasions, en ayant des tirs là, mais alors là, zéro tir cadré, je crois, vraiment, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Hein. Je rappelle qu'on a quand même une équipe qui, à mon avis, à le niveau Champions League, franchement, ça, c'est pas acceptable du tout. Hein, mais pas acceptable une seconde. Donc, ça va pas du tout, du tout, du tout. Ça fait deux défaites de suite. Hein. Je me demande s'il n'y a pas aussi un petit peu de complaisance liée au match contre Nîmes. Je voulais leur dire, après le match contre Nîmes, de pas se prendre la tête et de pas croire que enfin, qu'ils sont bénis des dieux ou quoi que ce soit, et de se concentrer, mais je me suis dit quand même 7-0, je peux pas leur dire ça, je leur ai dit donc bien joué, c'est un super match, voilà quoi. J'aurais même donné un jour de repos à l'entraînement, et peut-être que c'était une grosse erreur, et puis voilà, ça se répercute sur ces matchs. Encore une fois, celui-là, on s'en moque, et heureusement, hein, parce que je pense que sinon. Bon, on leur en a mis 4 à l'aller, donc je pense que non, en fait, ça aurait joué. Mais quand même. Puis celui-là, c'est quand même très très négatif, évidemment, Paris a gagné, hein, évidemment. On est maintenant deuxième à 3 points. Encore une fois, c'est très bien. On a toujours pas mal de points d'avance, à 7 points d'avance avec un match en moins sur Bordeaux. Donc ça va, hein, c'est pas un souci, mais quand même, c'est un peu problématique. Du coup, d'un point de vue de l'entraînement, endurance est totale demain. Je vais quand même peut-être leur mettre la récupération physique. Juste, ben, je veux bien les punir, mais j'ai envie qu'ils soient capables de jouer contre Auxerre en fait. Quand même. Après, tactique de match, tactique ici. Ça va, c'est pas énorme. Auxerre, je sais pas. Est-ce que j'ai un rapport sur Auxerre? Hop, comme ça vous voyez un peu comment je fonctionne aussi, c'est intéressant. Effectivement, j'ai un rapport contre Auxerre. Une équipe qui est bonne de la tête. Le gardien a l'air pas trop mauvais. Il commence fort, voilà qui est intéressant. Ils ont un bon buteur. D'accord. Et ils sont très mauvais en attaque et en défense. Ok. Ils sont pas bons en finition, tir de long, en marquage, bon, à peu près en tout. En gros, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui pourrait être intéressant éventuellement, vu qu'il commence fort, peut-être d'être meilleur sur le pressing. Donc au lieu de jouer la tactique, peut-être de jouer collectif durant l'entraînement. Puisque si on regarde l'entraînement ici, au lieu de tactique de match, ce qu'on peut faire, préparation de match, si on se met en collectif, ça va, pour le match à venir, augmenter notre pressing, notre gestion du pressing. Donc ça peut être pas mal de commencer comme ça. Et puis on joue à la maison contre eux, on va essayer de les prendre direct cette fois-ci et nous de les prendre à froid. Ok, la prochaine fois que nous, on se verra. Alors, quand est-ce qu'on peut perdre encore un match? Si vous voulez, on peut venir pour le match amical contre Naples, qu'on va certainement perdre. Il y a un nouveau match contre Paris, ici, qui est juste avant le retour évidemment, et juste avant le retour du match de Coupe des Champions. Donc, on verra. Je pense que je vous ferai un paquet highlight avec. Je pense pas. Je pense franchement pas grand-chose. Le tirage. Enfin. Je pense le tirage de la Coupe des Champions. Et alors il y aura peut-être de la Coupe de la Ligue ou de la Coupe de France qui va se glisser. Donc là, auquel cas, ben, j'y réfléchirai sur le moment. Sinon, ce sera une highlight peut-être du tirage de la Coupe des Champions, justement, et du premier match, en fait, qui devrait être joué à l'extérieur pour nous, a priori, vu qu'on va être premier de groupe. Et puis après, on viendra pour le match à la maison contre Paris et le match à la maison, le match retour.
On verra, suivant le score, hein. Si on a gagné 3-0 à l'aller contre, j'en sais rien, le Shakhtar Donetsk par exemple, je suis pas sûr qu'on fasse le deuxième match ensemble, je suis pas sûr que ça vaille la peine. Par contre, venir pour le match contre Paris, je pense que ce sera toujours intéressant, à plus forte raison si le championnat reste tel qu'il est. Maintenant, il faut nous qu'on rebondisse contre Auxerre, il faut vraiment qu'on leur mette une tanche, mais violent. Après, Coupe de la Ligue, mais... c'est ce que je me disais pour la Coupe de la Ligue. Toutes les équipes que j'ai regardées dans mes guides de club sont soit ils s'en foutent, les dirigeants s'en foutent de la Coupe de la Ligue, soit ils demandent à leurs équipes d'arriver au quatrième tour. Nous, ils s'en foutent a priori, donc on s'en fout aussi. Mais je trouve que c'est une compétition, ouais, du coup, c'est assez clair, ouais, et sans importance. Donc, ouais, voilà. Donc ceux qui arrivent au quatrième tour, c'est sans importance. Donc il n'y a vraiment que le quatrième tour qui est important. Donc c'est le moment important, si vous voulez, de la Coupe de la Ligue. L'aboutissement de la Coupe de la Ligue, le quatrième tour. Ok, très bien. On va donc, comme je disais, s'arrêter sur ces deux défaites. J'espère que ça vous aura plu. Moi, pas. Et je vous dis donc à la prochaine. Comme d'hab, si vous avez aimé, posez un like. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.